podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime d'Orcival, pièce radiophonique de Claude Gével, d'après le roman d'Émile Gaboriau, avec Henri Crémieux dans le rôle de Monsieur Lecoq, Louis Arbessier, le juge, et Geneviève Morel, Montcorbier, Yves Duchâteau, Jean Mauvais, Jean Topard, Henri Labussière, André Var, Laurence Weber, Martine Sarcey, Pascal Mazotti. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Allons. Oh, quel malheur, monsieur le juge. Allons, remettez-vous. Répondez-moi. Oui. Et vous étiez cuisinière au château? Oui, monsieur le juge. Et Joseph, mon mari, valet de chambre. Et vous étiez absent cette nuit? Mais nous arrivons de Paris. Nous y étions pour le mariage de ma sœur. Il y avait dîner et sauterie. Monsieur le comte nous avait donné l'autorisation de ne rentrer qu'au matin. Oh mon Dieu, dire qu'on était en pleine fête, en pleine danse pendant qu'ici, cette pauvre madame... Mais allons du calme. Vous serviez au château depuis longtemps? Oh, mais déjà du vivant de monsieur Sauvigny. Oui, le premier mari de madame. Un bien brave monsieur, lui aussi. Il est mort il y a... 2 ans, d'une mauvaise bronchite. Et madame s'est remariée avec monsieur le comte de Trémorel. Il y a 1 an. Bon. Ça avait été la dernière volonté de ce pauvre monsieur. Ah ça, on est témoin. Au moment de mourir, il leur avait bien recommandé encore de s'épouser. Et ça, devant nous, présents. C'est qu'il nous considérait comme de la famille. Monsieur de Trémorel venait souvent au château? Mais il y habitait presque toujours, surtout depuis la maladie de monsieur Sauvigny. Ah, ça, on peut dire qu'à nous quatre, il a été bien soigné, le cher homme. Parfait, parfait. Connaissez-vous des ennemis à vos maîtres? Oh, pas un. Ils étaient aimés de tout un chacun. Avait-il des ennuis de santé? Oh, pour ça, ma foi, jamais malade. Des ennuis d'argent? Oh, que non. Pas plus tard qu'hier matin, la banque a fait apporter à monsieur un gros paquet. Comment le savez-vous? Mais quand je suis venu lui annoncer que le déjeuner était servi, il était à son bureau. Et il en comptait des liasses de billets. Sans fermer sa porte? Oh, ça, ils n'étaient pas méfiants. Quelqu'un d'autre était-il au courant de la présence d'une telle somme? Ma foi, peut-être bien, oui. Crespin, qui sortait de chez monsieur le comte quand j'y suis entré. Crespin? Le jardinier. Il est au château? Oh, sans doute. Mais je ne l'ai pas vu. Il doit être dans un coin, à cuver son vin. Un ivrogne. Plus qu'à son tour. Le samedi soir, principalement. Et toujours sans le sou. Parfait, parfait. Je parierais que ce Crespin était au mieux avec les Duvillard. Oh. Ces braconniers que j'ai fait mettre sous les verrous. Oh. Unis comme cochons. Oh. Sauf votre respect. Parfait, monsieur. Parfait. Ah non, ça n'aura pas traîné. Tout ça est clair. Mais c'est une bande. La main mise sur ce Crespin, il y aura du bon travail de fait. Occupez-vous avec les gendarmes de me dénicher cet individu. À votre service, monsieur le juge. On peut disposer. Tiens plus sur mes jambes. Allez, allez. Ah! Si vous m'amenez ce Crespin, pas un mot, n'est-ce pas? Bien. Compris, monsieur le juge. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Attendez une seconde, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le juge, c'est un particulier qui voudrait voir monsieur le juge. Qu'il entre. Mes devoirs, monsieur le juge. Monsieur, je vous suis envoyé de Paris. La préfecture? Oui.
Je suis monsieur Lecoq. Le célèbre policier? Oh! Je ne vous imaginais pas comme ça. Je ne suis jamais comme on m'imagine. Parfait. Sans doute venez-vous m'aider dans mes recherches. Si je puis vous être utile. Eh bien, m'est avis que la préfecture s'est un peu pressée de déranger le célèbre monsieur Lecoq. Monsieur le juge aurait-il déjà mis la main sur les coupables? C'est tout comme, j'en suis persuadé. En deux mots, voici. Mais asseyez-vous, monsieur Lecoq. Merci. Êtes-vous déjà au courant de l'affaire? En gros. Comme partout où il y a crime, les gens du pays sont très bavards. Vous savez donc qu'on a assassiné cette nuit le comte et la comtesse de Trémorel. Le cadavre de la comtesse a été trouvé dans le jardin, lardé de coups de couteau. Les meurtriers ont dû être surpris au moment où ils allaient le jeter dans la rivière qui borde la propriété pour le faire disparaître, comme celui du comte. Hein? Le corps du comte a été repêché dans la rivière? Pas encore, mais c'est une question d'heure ou de minutes. Je fais procéder à des recherches. Le vol est de toute évidence le mobile du crime. Meuble fracturé, disparition d'une grosse somme reçue par monsieur de Trémorel le jour même. Le jour même, renseignement précieux. Puis-je vous demander, monsieur le juge, de qui vous le tenez? Du valet de chambre du comte qui l'a vu comptant ses liasses de billets. Le valet de chambre serait compromis? Non. Il est en dehors de tout soupçon. Un alibi indiscutable. Mais je sais que les bandits ont été renseignés par le jardinier du château qui a vu aussi son maître compter les billets. Curieuse manie de compter ses billets en public. Imprudence fatale, oui, car ce jardinier, un ivrogne, est un complice, certainement. Ah, ils étaient plusieurs. Trois. Ils ont laissé trois verres salis sur une table. Deux de ces suspects sont déjà sous les verrous. Deux braconniers qui ont la plus détestable réputation. Ces schnappants se sont crus très malins en venant eux-mêmes avertir le maire du meurtre. Ils prétendent avoir aperçu au lever du jour le corps de la comtesse près de la rivière alors qu'ils partaient en expédition en barque. Retirer leur filet. Sans doute. C'est ce que j'ai été aussitôt vérifié. Moi-même. Or, primo, de la rivière, il était impossible de distinguer le cadavre, là où il était étendu. Deuxièmement, j'ai examiné les avirons de la barque. Leur bois parfaitement sec prouvait qu'il n'avait pas été utilisé depuis la veille. Tout cela n'était qu'un mensonge concluant. En effet. J'ai donc conclu en faisant incarcérer les deux des Villars. Reste à mettre la main sur le jardinier, ça ne tardera pas. Alors une bonne petite confrontation et sur ces trois gredins, il y en aura bien un qui mangera le morceau, comme on dit, je crois. N'est-ce pas, monsieur Lecoq? En effet. Ah, ils avaient la partie belle. Ils savaient que les autres domestiques du château seraient absents toute la nuit. Eh bien, que pense de tout cela le célèbre monsieur Lecoq? Je pense que ce n'est pas dans cette affaire qu'il trouvera matière à briller. Je le crains, en effet. Pourtant, monsieur le juge, puisque je suis sur place, je vous prierai de me laisser parcourir le théâtre du crime. Peut-être trouverai-je quelques indices capables de confondre les coupables. Faites, monsieur Lecoq, faites à votre guise. Du reste, mieux encore, je vais vous confier la suite de l'enquête, au point où elle en est. Ici, le plus gros est acquis et d'autres affaires urgentes me rappellent à mon cabinet du palais de justice à Corbeil. C'est là que j'attendrai le résultat des recherches de la gendarmerie et vos trouvailles, si vous en faites. Je ne manquerai pas de vous tenir aussitôt au courant. Parfait, parfait. Qu'est-ce que c'est? Entrez! Monsieur le juge, c'est pour vous dire qu'il y a bon. Ah, vous voyez, monsieur Lecoq, ça se précise. Parlez, mon brave. Vous avez retrouvé le cadavre du comte? Non, mais on a l'oiseau que vous cherchez. Le jardinier? Oui, le crespin. Il ronflait dans un fossé de la route. Amenez-le. Excusez, monsieur le juge, mais avant de l'introduire, je crois utile de vous donner ça. Quoi? Ah, cette veste en loques? Je l'ai trouvée boulée dans un coin de la resserre où le jardinier range ses outils. Comme vous nous aviez dit de fouiller de ce côté-là. Parfait. Merci, mon brave. Voici de quoi confondre le crespin. Voyez. Voyez le tissu, maître Lecoq. Touchez-le. Et comparez-le avec ce bout d'étoffe que j'ai retiré de la main de la comtesse. Comparez-le. C'est évidemment le même tissu. Que dites-vous de cette pièce à conviction? Elle semble convaincante, en effet. Oui. Je crois que son compte est bon, au crespin. Avouez, monsieur le célèbre policier, que dans notre petite sphère de province, juges et gendarmes ne se débrouillent pas si mal. Je n'en ai jamais douté. Je ne suis pas mécontent que vous puissiez le constater par vous-même. Parfait. Gendarmes, amenez-moi le jardinier. Allez, entre, ivrogne. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que tu nous dises qui a tué la comtesse de Trémorel.
La comtesse a été tuée? À coup de couteau, oui. Et tu sais par qui? Alors, moi, je vous jure... C'est pas tout. On veut que tu nous dises où est le cadavre du comte. Le cadavre du comte? Oui, et que tu nous dises aussi ce que tu as fait de l'argent volé. Oh là là, ma tête... Oui, elle me paraît compromise, oui. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce fratras-là? Tu te refuses à parler? Je comprends pas un traître mot de tout ce que vous me débitez. Tu ne joueras pas longtemps ta comédie. Tu vois cette veste? Tu la connais? Ah, bien sûr, c'est la mienne. Ah, tu avoues? Quoi? Cette vieillerie que je gardais pour les sales besognes? Les sales besognes, tout juste. Tu l'avais cette nuit, et la comtesse, en se débattant, te l'a déchirée. En se débattant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon Dieu? Où étais-tu cette nuit? Perdu dans le fossé où on m'a ramassé. Ah, tu aurais dormi toute la nuit à la Belle Étoile? Eh, ça m'arrive quand je suis bu. Ah, boudon! Quoi? Que j'ai bu un bon coup hier soir? Ah, bien sûr. Où ça? Au bistrot du pont. Gaspard, c'est le patron. Bah, il vous le dira. Et tu y es resté jusqu'à quelle heure? Oh, ça alors je sais. Gaspard est un brave type. Même qui vous fait crédit. Mais voilà, son tort, c'est de vous flanquer dehors à 11h. Et depuis 11h, personne ne t'a vu? Ah bah heureusement. Dans l'état où j'étais, j'étais pas montrable. Permettez-moi une question, monsieur le juge. Tu lui dois beaucoup à ce Gaspard? Ah, erreur. Plus un sou. J'ai tout réglé. Avec quel argent? Celui de mon patron. Tu le reconnais? Mais pourquoi pas? Il m'a dit comme ça hier matin, « Tiens, voilà une pièce de 20 francs, tu iras ce soir boire un coup à ma santé. » Oh, alors là, c'est un brave, hein, il vous le répétera lui-même. Je ne fais pas l'idiot, le comte ne répétera rien. Je t'ai dit qu'il avait été tué cette nuit. C'est vrai, vous l'avez dit. J'y pensais plus, moi. Oh là 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 là, ma tête. Mais alors dites-moi, on va me mettre tout ça sur le dos? Ça m'en a tout l'air. Tu ferais mieux d'avouer, on t'en tiendra compte. C'est toi qui as fait le coup. Mais avouez quoi, mon Dieu? Puisque je vous dis que je n'ai rien fait, que je ne suis pour rien dans toutes ces manières. Mais en prison, tu réfléchiras. Tu as intérêt à nous dire tout ce que tu sais sur tes complices. Mes complices? Et puisque je vous répète que je n'ai rien fait, je peux pas avoir de complices. Ah, c'est bon. Emmenez-le. Et puisque je vous répète que j'ai rien fait. Allez, allez. Oh là là, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et de trois. Les deux braconniers et cet ivrogne. On tient toute la bande. C'est bien votre avis, monsieur Lecoq? Tout cela était enfantin, aveuglant. Un peu trop. Comment? Je n'aime pas être aveuglé. Vous m'amusez, monsieur Lecoq. Croyez bien que je regrette de ne pas assister à vos perquisitions, car vous tenez toujours à en faire, n'est-ce pas? Plus que jamais, monsieur le juge. À votre guise. Temps perdu ne se rattrape jamais, et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous laisse. À demain, à Corbeil, au palais de justice. J'y serai. Mes devoirs, monsieur le juge. Ah, j'y pense. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au maire, monsieur Courtois, qui a fait les premières constatations, ou au docteur Plantanet. Tous deux étaient des familiers du château. Ils partagent entièrement mon opinion, ma certitude, sur ce crime. Si cela s'avère utile, je les verrai. Merci, monsieur le juge. Excusez-moi, docteur, de me présenter chez vous à une heure aussi tardive. Je suis monsieur Lecoq. Je sais. On m'a signalé votre présence au château. Oui, j'ai été retenu jusqu'à maintenant par mon enquête. Votre enquête? Et je croyais que celle du juge avait abouti à l'arrestation des coupables. Ma foi, docteur, je ne serais pas si affirmatif. Cette affaire ne me paraît pas aussi simple. J'ai fait quelques remarques assez troublantes. Vraiment? Lesquelles? Excusez-moi encore, je dois en réserver la première révélation au juge. Mais j'aurai certains renseignements à vous demander. Je suis à votre disposition. Asseyez-vous. Je vous écoute. Ma première question est délicate. Elle tient au fait que tous les fauteuils du château ont été lacérés, défoncés, et tous les livres éparpillés. Ouvert. Le juge m'a parlé d'une grosse somme d'argent que recherchaient les criminels. Oui. Seulement les liasses de billets se dissimulent mal dans un repli de siège ou dans un livre. Ce serait plutôt la cachette pour un papier, pour un écrit. Oui, je vois. Il s'agirait alors d'un document très important qu'aurait détenu le comte ou la comtesse. Et j'ai pensé que vous, docteur familier du château, vous pourriez avoir une idée sur ce que ce papier pourrait être. Mais non. Vous semblez hésiter. Il vous vient parfois des idées ridicules. On les chasse. On a parfois tort. Ajoutez une question de scrupule. Je pense à un dépôt qui m'a été confié sous le sceau du secret.
Le crime de cette nuit ne vous en libère-t-il pas? Je le crois, oui. Voici. Cela n'a sans doute aucune importance pour votre enquête. Peu avant sa mort, mon ami Sauvigny, propriétaire alors du château... Et mari de la comtesse, oui, je sais. ...m'avait confié une enveloppe que je devais remettre à sa veuve le jour de son remariage avec Trémorel. Ce remariage, était son idée fixe à Sauvigny. C'est ce que je fis le jour où il fut célébré, et cela en présence du comte, comme cela m'avait été prescrit. Il réclama l'enveloppe, la comtesse refusa de s'en dessaisir et sortira comme pour la mettre en lieu sûr. Il la suivit bientôt, sans même s'excuser de me laisser seul. Il me sembla entendre des éclats de voix. C'est tout. Cette scène, je vous le répète, est insignifiante. Qui sait ? Que pensez-vous que pouvait contenir cette enveloppe ? Oh, des dispositions d'intérêt, sûrement. Puisque si l'union n'avait pas lieu dans les 2 ans après la mort de Sauvigny, je devais envoyer ce pli au procureur de la République. Au procureur de la République ? Tiens, ce sont plutôt des plaintes ou des dénonciations qu'on lui adresse. Oh, pas à retardement. Ça arrive. Le comte et la comtesse de Trémorel avaient-ils la réputation de faire un bon ménage ? Excellent. Troublé parfois par des scènes de jalousie. Le comte était assez léger. Tenez, à l'annonce de son mariage, une de ses maîtresses est venue jusqu'à Orcival pour faire un esclandre. Ah, sauriez-vous le nom de cette personne? Non, mais on le retrouverait facilement à l'hôtel des voyageurs de Corbeil où elle descendait et où le comte allait la rejoindre. C'est à noter. Autre chose, docteur. Voici des reçus que j'ai trouvés glissés sous le marbre d'une cheminée. Pour une somme coquette. Vous disent-ils quelque chose? Donnez. Signé Rocheron? Ah ça, que diable les Trémorel avaient-ils affaire avec ce gredin? Un gredin? Oui, c'est un garçon que j'ai employé un certain temps pour ranger mon laboratoire et dont j'ai dû me défaire. Il m'avait à plusieurs reprises cassé, prétendait-il, des fioles d'un produit précieux. Je me suis toujours demandé s'il ne me les avait pas volées. Un produit nocif? Redoutable. L'importance des sommes marquées sur ces reçus le faisait prévoir. Dites-moi, ce Rocheron a quitté le pays? Non, il fait le guérisseur, l'apothicaire véreux. Regardez la date de ces reçus. Monsieur Sauvigny était vivant. Que voulez-vous dire? Rien encore. N'avez-vous jamais entendu parler d'expériences de chimie qu'on faisait au château? Jamais. Et comme c'était ma spécialité, on m'aurait mis au courant. À moins que, justement, par crainte d'un jugement sévère... Ah, ce n'est pas impossible. Vous avez entendu? Quoi? Je crois qu'on a marché dans le jardin. Il aurait fallu escalader. Quand on vient me chercher, il y a la sonnette de nuit. J'ouvre d'ici. On doit croire la maison endormie. Et oui, les rideaux sont hermétiquement clos. Pourtant, baissez la lampe, docteur. J'appelle. Gardez-vous-en bien. Là. Oui, oh. On monte l'escalier. Restez dans ce fauteuil. Paraissez assoupi. Laissez-moi faire. Oh! Lâchez le couteau! Lâchez-le! Allons! C'est menotte ou zéro? Beaucoup mieux. Là, on va pouvoir causer. Montez la lampe, docteur, s'il vous plaît. Oui. Rocheron ? Oui, quoi. Et que venez-vous faire chez moi ? Il y avait des produits qui me manquaient. Venez vous en emprunter. Oui, me les voler. Pourquoi, c'est pas un drame ? Et ce couteau ? Ne mens pas. Bon. À vous donc. Tu venais te débarrasser d'un témoin gênant. Oui, je crois bien, monsieur Lecoq, que vous m'avez sauvé la vie. Quoi? Un témoin de quoi? De tes vols! Et de l'usage que tu as pu en faire. Tu devines de quoi je parle? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une sale histoire. Où tu pourrais être pris pour complice. Tu reconnais ces reçus? Oui. J'ai pas le droit d'avoir été en affaire avec le château. Une affaire, leur fournir du poison que tu m'avais volé. Et tu savais pour quel usage? Tu iras au bagne, mon garçon. Pour avoir fourni de la camelote dont le docteur servait lui-même dans son laboratoire. Et... Tu ne mentiras plus quand une autopsie en retrouvera les traces. Hein?
Une autopsie ? Ah, te voilà vert de peur. Oui, une autopsie. Ah. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Bon. Allez, assez discuté, je viens de te préparer ce papier où tu reconnais tes vols. Signe-le. Mais si, tu peux signer. Allez, tu peux signer malgré les menottes. Signe. Signe, je te laisserai tranquille. J'oublierai aussi ta petite intrusion à main armée de ce soir, qui risquerait de te coûter cher. Signe, et tu pourras filer. Quoi de Lecoq ? Ah, et merci, vous m'y rendez ? Ni tes reçus, ni ton couteau. Là, signe, là. C'est ça. Là. Je t'enlève tes menottes, tiens. Allez, décampe. Ouais. Estime-toi heureux comme ça. Vous le laissez aller ? Ce qui m'importait pour l'heure, c'est d'avoir cet aveu signé. On pourra toujours s'occuper plus tard de ce vilain bonhomme. Ne croyez-vous pas qu'il ait été mêlé de près au crime de cette nuit ? Il voulait s'emparer de ses reçus, du papier dont vous parliez aussi, peut-être. Il a pu soudoyer les braconniers pour lui prêter main forte. Possible. Mais je pense à un autre gibier. Vous êtes sur une nouvelle piste ? Peut-être. Je n'ose plus vous demander laquelle. Et moi, je me demande si vos questions ne cachent pas des soupçons que vous n'osez pas formuler. Ce n'est pas mon métier de faire des suppositions qui pourraient se tourner en accusations. C'est le mien. Moi, je construis peu à peu un échafaudage. Mais il ne me satisfait que lorsque j'ai réuni toutes les pierres de sa fondation. Or, il m'en manque encore une. Le motif exact qui aurait déterminé la tragédie de cette nuit. N'importe, docteur, je rends hommage à l'honnêteté de vos scrupules. On a sonné. Oui, c'est la sonnette de nuit. J'ai l'habitude de répondre par la fenêtre. Qui est là ? C'est moi, Courtois, docteur. On m'a dit au château que l'homme de la police était chez vous. Ah, monsieur Lecoq, oui, j'ouvre. Montez, monsieur Courtois. C'est le maire du village. Peut-être vient-il vous annoncer qu'on a retrouvé le cadavre du comte. Ça me surprendrait. Ah, entrez, monsieur le maire. Et qu'y a-t-il, vous paraissez bouleversé. Il y a de quoi. Est-ce madame Courtois ? Ouf, la pauvre a failli passer de vie à trépas. J'ai attendu qu'elle se remette, je n'ai pu la quitter qu'à l'instant. Mais il fallait m'appeler. Oh, hélas, docteur, ce n'est pas de votre ressort. Serait-ce du mien, monsieur le maire ? Oui. La police seule peut faire quelque chose, s'il y a encore quelque chose à faire. Expliquez-vous. Il s'agit de Laurence. Votre fille n'est-elle pas à Fontainebleau, chez sa tante, depuis 5 jours ? Nous le supposions, mais tout à l'heure nous avons su cette lettre. Une affreuse lettre où elle nous écrit qu'elle disparaît. Qu'elle a décidé de ne pas survivre à son déshonneur, qu'elle nous demande pardon et nous dit adieu. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Laurence attend un enfant. Elle ? Laurence ? Cette lettre, vous l'avez ? Et tenez, la voici, lisez-la. C'est atroce. Que pensez-vous ? Je pense qu'il ne s'agit que d'une décision prise, pas encore mise à exécution. Oui. Il faut l'empêcher, la retrouver. Je vais alerter le service des recherches. Croyez-moi, monsieur le maire, rien n'est perdu. Reprenez confiance. Retournez auprès de madame Courtois et rassurez-la. Dites-lui que tout le nécessaire sera fait. Oh, si je connaissais la femme. Vous le connaîtrez, monsieur le maire, je vous le promets. Tout notre espoir est entre vos mains. Comptez sur moi. La lettre. Non, je la garde, elle peut m'être utile. Mon pauvre ami, je partage votre angoisse. Vous le savez. Oui, vous l'aimez bien. Notre pauvre Laurence. J'en mourrai de chagrin. Ma femme aussi. Allons. Allons. Oh, c'est à devenir fou. Allons, monsieur le maire, non, calmez-vous. Tout le possible sera fait, je vous le promets. Rentrez chez vous, monsieur le maire. Merci. Le pauvre homme. Vous le bercez d'un vain espoir, n'est-ce pas ? Non. Non, plus je réfléchis à cette lettre, plus elle me surprend. Vous croyez vraiment que Laurence
peut-être encore sauvé. Oui. Ce sont pas là les phrases que, dans son cas, une fille emploierait vis-à-vis de ses parents. Ce sont des phrases toutes faites. Et puis, pourquoi aurait-elle attendu 5 jours pour écrire? Mais alors? Cette lettre lui a été dictée, imposée, pour égarer des recherches. Le misérable. Docteur. Docteur, cette fois, c'est à vous de parler. Je me suis tout de suite douté que vous me cachiez une partie de ce que vous saviez. Je croyais que ça n'avait pas de rapport avec votre enquête. Je croyais pouvoir tenir ma chère Laurence en dehors de ce drame. Et je refoulais mes soupçons en les attribuant à la jalousie. Vous aimez Laurence? Depuis 5 ans. Vous lui avez dit? Non. Car je me trouvais trop âgé pour elle. Je n'étais à ses yeux qu'un vieil ami, un ami qu'elle n'a pas voulu entendre quand j'ai essayé de la mettre en garde contre les dangers de sa fatale inclination pour Trémorel. C'est vous qui le nommez, comme dit à peu près Racine. Oh, c'est un misérable, capable de tout. Il était devenu assidu chez les Courtois, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il irait jusqu'à entraîner Laurence au pire. Elle était pour moi une enfant si pure. Ah, il y a quelque temps, rentrant en pleine nuit d'une visite, j'ai cru voir un homme sauter le mur du jardin des Courtois. J'ai encore accusé mon imagination, ma jalousie. J'aurais dû parler, la défendre. Ah oui, cet homme est capable de tout. Le maire est venu m'apporter la dernière pierre de mon échafaudage. Ce que vous me révélez le prouve. Voilà le motif. Trémorel voulait refaire sa vie avec la mère de son enfant. Mais il y avait la comtesse, qui n'aurait jamais accepté le divorce, n'est-ce pas? Oh non. Orgueil ou amour, elle tenait férocement à lui. Et lui la savait capable de se perdre elle-même en se dénonçant, plutôt que de le perdre lui, en la laissant à une autre. Sans aucun doute. Quand il a su que Laurence attendait un enfant, il a décidé d'agir. Car il y avait le document accusateur à récupérer. Elle n'a pas voulu lui rendre, il en a fini avec celle qui était capable de le dénoncer. La vengeance posthume de Sauvigny a joué à plein. Vous croyez que Sauvigny avait prévu la haine qui finirait par dresser l'un contre l'autre, les deux amants? Amants et complices, forcés de vivre ensemble par ce mariage qu'il leur imposait, j'en suis sûr. Et tout se tiendrait ainsi. J'espère en convaincre demain le juge d'instruction. Je vous demanderai, docteur, de m'accompagner au palais de justice pour confirmer au besoin mes dires. Oui, et Laurence, monsieur Lecoq, vous ne l'oubliez pas, le temps presse. Je pense à elle, cher docteur, je pense à elle et je pense à vous. Je reconnais, monsieur Lecoq, que votre présentation de l'affaire d'Orcival se tient. Point de départ, l'empoisonnement du mari par la femme et l'amant. Classique. Mais, à ce sujet, docteur, pourrons-nous être encore fixés par l'autopsie, malgré le temps écoulé depuis la mort de Sauvigny? Ma méthode pour retrouver la trace des poisons à base d'alcaloïdes me permet de l'affirmer, monsieur le juge. Parfait. Je rédige un permis d'exhumation. Vous aurez mon rapport au plus tôt. Parfait. La vengeance de Sauvigny, si vengeance il y a, est plus spéciale, mais plausible. Les mesures prises par le comte pour éloigner son personnel, son désir de se débarrasser d'une accusatrice, admettons. Mais le comte a disparu. Disparu, non. En fuite, oui. Mais tout ceci ne sont que suppositions et psychologie. Il me faudrait pour vous suivre des faits. Je vous en apporte, monsieur le juge. Et puis, restent toujours mes 2 braconniers et leurs mensonges. Ils ont menti pour ne pas avouer qu'ils pénétraient à l'aube dans le parc du château afin de relever pièges et collets. Et comment expliquer ce morceau de la veste de Crespin retrouvé dans la main de la comtesse? Il ne prouve que la machination. Voulez-vous, docteur, expliquer à monsieur le juge vos constatations? Sur les indications de monsieur Lecoq, j'ai procédé à l'examen du cadavre. Et je peux affirmer sans crainte de me tromper que la comtesse est morte du coup de poignard qui lui a été asséné par derrière dans la nuque. La mort a été instantanée. Elle n'avait donc pu ni se débattre, ni déchirer la veste de son agresseur. Le morceau de tissu a été placé dans sa main pour égarer les soupçons. Mais alors, quelle explication de tous les coups de poignard dont le corps porte la trace? La même. Docteur, combien de temps estimez-vous sépare le coup mortel des autres? 2 heures environ. Mise en scène, pour donner l'impression que le meurtre était l'œuvre de brutes sanguinaires. Hypothèse. Mise en scène encore, que les verres sales trouvés sur place.
Ils ont été salis par le meurtrier qui, dans sa hâte, a utilisé au lieu de vin un fond de bouteille de vinaigre prise dans le placard. Oh, oh, oh. Mise en scène toujours, la pantoufle de cuir rouge qui aurait été perdue dans le jardin pendant le soi-disant transport du corps de M. de Trémorel, pour faire croire que le comte a été assailli en tenue d'intérieur. Son domestique a constaté en effet la disparition d'une paire de bottes jaunes que le comte portait le jour du crime. C'est celle qu'il avait au pied quand il s'est enfui. Soit. Mais comment cet homme qui aurait préparé son acte avec tant de soin a-t-il pu s'imaginer qu'une personnalité aussi connue pourrait ne pas être bientôt repérée? Cela aussi, il l'a prévu. Je peux assurer que le comte s'est rasé dans la nuit après son coup fait. J'ai trouvé dans ses objets de toilette un rasoir humide et une serviette fraîchement utilisée. De cela aussi, le domestique peut témoigner. Je suis persuadé qu'un examen approfondi nous fera découvrir dans quelques dépotoirs les vestiges de la belle barbe blonde et des favoris de Trémorel. C'est parfait, parfait. Enfin, je veux dire qu'il y a dans vos constatations un ensemble assez troublant. Et je vous félicite, monsieur Lecoq. Tout cela, monsieur le juge, est très simple. Alors, n'insistez pas, ce serait vite désobligeant à mon égard. Chacun son métier. Et l'on sait que vous vous acquittez du vôtre à merveille. Tenez, voici un mandat d'amener contre le comte de Trémorel. S'il se laisse prendre. Je vais m'y employer. Et si d'ici là, son cadavre n'a pas été retrouvé. Enfin, nous verrons. Au revoir, docteur. Bonsoir. Bonne chance, monsieur Lecoq. Voilà le juge convaincu. À moitié seulement. Il ne se tient pas encore pour battu. La preuve qu'il n'a pas parlé de relâcher les prévenus. Si elle est ce que nous prévoyons, comptons sur l'autopsie pour l'influencer définitivement. Je rentre à Orcival pour prendre aussitôt toutes les dispositions nécessaires. Quand croyez-vous pouvoir m'en apporter les résultats? Demain soir. Voici mon adresse à Paris. Oui. Je m'y rends de ce pas. J'ai convoqué cette personne dont vous m'avez dit qu'elle était venue faire scandale au château. Vous pensez savoir par elle où se cache Trémorel? Une maîtresse abandonnée, le meilleur auxiliaire de la police. Avez-vous une idée pour orienter vos recherches? D'après le timbre de l'enveloppe, la lettre de Laurence a été postée rue Saint-Lazare. C'est normal, où se cacher mieux qu'en plein centre de la capitale avec le va-et-vient d'étrangers qu'amène la proximité d'une gare. À propos, ne savez-vous pas si ces derniers temps le comte s'est rendu fréquemment à Paris? 3 ou 4 fois, à ma connaissance. Et il revenait le soir même? Toujours. Je suis sûr qu'il allait y organiser sa retraite. Et quand on aura repéré Trémorel, votre Laurence, cher docteur, ne sera pas loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça tient un sens commun de m'envoyer chercher ainsi presque de force par un insolent, un brutal qui m'entraîne je ne sais où? Auriez-vous préféré être convoqué à la préfecture? Bah pourquoi à la préfecture? Je fais mon métier honnêtement. Un métier qui est surveillé de près. Vous ne l'ignorez pas. Ouais, sauf si on le fait avec des gens de la haute. Alors on vous laisse tranquille. En tout cas, croyez-moi, vous avez intérêt à être en bon terme avec la police. Bah, je dis pas. Quand j'étais avec Trémorel, elle se serait pas mêlée de mes affaires. Seulement, c'était monsieur le comte de Trémorel. Justement, si nous parlions un peu de lui. Ah, bah ça, vous pouvez y aller. J'en ai gros sur le cœur avec ce coco. Il m'a perdu mes plus belles années. Il m'a mangé mes économies. C'est de sa faute si j'en suis là. Misérable, ce qu'il a fait de moi. Et quand il a épousé la grosse galette, impossible de lui tirer un sou. Ah bah oui, c'est Trémorel. Autant je l'ai aimé, et puis autant je le hais. Là. Pour en causer, je suis votre homme. Le comte de Trémorel est recherché pour le meurtre de sa femme. Ah, oh, pas possible! Il est suspecté de l'avoir tué à coups de couteau. Ah oh, bah ça, c'est fameux, alors! Et il est en fuite. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici. Mais je suis pour rien, moi. Non. Non, mais vous pouvez nous aider à le retrouver. Oh, ce serait trop beau. Tout nous porte à croire qu'il se cache à Paris, dans le quartier où vous exercez votre activité. Enfin, je veux dire, où vous circulez volontiers. Je suis pas la seule. Ben justement. Une de vos compagnes, ou vous-même, peut nous fournir le renseignement que nous désirons. Il s'agirait d'un emménagement récent, dont l'une ou l'autre vous auriez entendu parler. Ah, je pige.
Oui, c'est pas sorcier, à force de circuler, comme vous dites, on finit par être un peu au courant de tout. Oui. Entendu, je verrai par moi-même, j'interrogerai les copines. Si vous nous donnez cette indication rapidement, elle vous sera bien payée. Et il vous sera tenu compte par la suite d'avoir contribué à l'arrestation. Oh, ouais, ouais, ça va, rentrez vos boniments. J'attendais qu'une occasion de me venger, la voilà, bravo. Ouais, que Tremorel soit un assassin, je m'en fiche. Ça le regarde. Mais que grâce à moi, il se fasse pincer. Eh ben vrai, j'en espérais pas tant. Allez, comptez sur moi. Salut. Ah, docteur, je vous attendais avec impatience. Je n'ai pas perdu mon temps. Je suis passé par Corbeil, apporter au juge le résultat de l'autopsie. Elle est concluante. J'étais certain que Sauvigny avait été empoisonné. À la seule nouvelle de l'autopsie, ce gredin de Rocheron a disparu. Qu'il aille se faire pendre ailleurs. Il n'a pas attendu votre conseil. On l'a retrouvé pendu à un peuplier du champ de foire. Le diable et son âme. De mon côté, je n'ai pas perdu mon temps plus que vous. Vous avez retrouvé la trace de Laurence. Je sais où elle est. Elle est vivante? Oh mon Dieu, merci. Comme prévu, Trémorel s'est installé avec elle, dans un petit hôtel loué rue Caumartin. Oh, quelle impudence! Sous un nom d'emprunt, anglais, un soi-disant Watson. Tout rasé comme il est à présent, il doit faire très britannique. Ma pauvre Laurence, c'est épouvantable, quel calvaire elle va connaître. Cette honte d'un procès public où elle devra témoigner, étaler son déshonneur, elle en mourra. Et moi? Croyez-vous, docteur, que je n'ai pas envisagé votre angoisse? Hélas, je me doute bien que vous ne pouvez rien empêcher. Pauvre cher docteur, vous m'avez été d'une trop grande aide. Vous m'avez témoigné trop de confiance, trop de sympathie, pour que je ne me préoccupe pas aussi de votre drame personnel. Cette triste affaire n'a déjà fait que trop de victimes. Je vous jure de tout tenter pour qu'il n'y en ait plus de nouvelles. Ce serait donc possible? Notre seule chance est que nous puissions parler à Laurence seul. Or, Trémorel s'absente rarement de chez lui. Pour l'éloigner, il nous faut user de ruse. Une lettre lui sera remise dans un moment. Son tapissier prétend avoir trouvé 4 billets de 1 000 francs faux parmi ceux que lui a remis Watson. Et il menace de déposer une plainte ce soir même. Trémorel va être épouvanté par l'idée d'une enquête. Il va courir à la boutique du tapissier. Nous aurons ainsi le temps de trouver Laurence seule. Alors, tout dépendra d'elle. Et de vous. Vous nous aurez sauvé la vie, monsieur Lecoq. Si je réussis. Partons. Qu'est-ce que vous désirez? Parlez à monsieur Watson. Il est absent. Alors parlez à madame. Elle ne reçoit personne. Seulement comme il faut que nous parlions à madame, nous montons. Oh, je vous empêcherai bien. Police. Dans ce cas, ouvrez à mes hommes. Entrez, vous autres. Le portier va vous aider à vous dissimuler dans la cour et vous indiquer toutes les issues. Et toi, fais bien attention, mon brave. Quand ton maître va rentrer, garde-toi bien de lui dire que la maison est cernée et que nous sommes là-haut. Il pourrait t'en cuire. Oh, monsieur, je suis aveugle, je suis sourd. Bon, les domestiques. Nous n'avons encore qu'un serveur de journée, il est parti. Bien. Madame est... Et, au premier, la porte à gauche. Si monsieur l'inspecteur désire que je l'accompagne... Non, non, inutile, inutile. Venez, docteur. Montons et... Au nom de Laurence, courage. Mademoiselle, ne craignez rien. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de pénétrer jusqu'ici? Que voulez-vous? Votre bien. Mais monsieur vous répondra mieux que moi. Entrez, docteur. Chère Laurence. Oh, docteur. Vous. Vous êtes venu. Oui, à votre secours. Oh, pourquoi m'avoir cherché? Pourquoi ajouter une douleur à toute celle de ma vie? Je savais qu'on ajouterait parfois à la lettre qui m'a été dictée. Il est de ces malheurs contre lesquels la mort seule est un refuge. Laurence, vous n'avez pas le droit de penser à mourir. Je suis perdue. Ce n'est pas vous que nous cherchons, mademoiselle. C'est monsieur de Trémorel. Lui? Et pourquoi? N'est-il pas libre? Je suis ici de ma propre volonté. Il y a des contraintes hypocrites. Mademoiselle, le temps presse. Il faut que vous sachiez la vérité. Monsieur de Trémorel a commis un grand crime. Vous mentez, monsieur. Croirez-vous davantage votre vieille amie? C'est vrai, Laurence.
Trémorel a assassiné sa femme dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai ordre de l'arrêter. Il a tué. Oh, c'est à cause de moi, j'en suis sûre. Oh, je suis sa complice. Vous ne pouvez pas être la complice de cet homme qui n'en est pas à son premier crime. Quoi ? Il y a un an, il a empoisonné M. Sauvigny, son meilleur ami. Sauvigny, c'est impossible. C'est l'affreuse vérité. Nous en avons la preuve. Oh, c'est horrible. Il l'a empoisonné d'accord avec sa femme. Et il l'a assassinée, elle, pour n'avoir plus à redouter sa dénonciation. Le monstre. Oh, je comprends tout, ses craintes, ses promesses qu'il ne pouvait pas tenir, cette fuite qu'il m'a imposée. Pauvre garçon. Vous le plaignez. Comme vous l'aimez. Je le plains parce que je l'ai aimé. Je l'ai aimé, oui. Et vous, mon vieil ami, vous l'aviez compris. Mais je peux vous l'avouer, il s'est peu à peu montré à moi tel qu'il est, faible, vil, lâche entre les mains de sa femme. Je le voyais incapable de la force d'âme qui lui aurait permis de tenir ses promesses envers moi. J'ignorais pourquoi. Déjà, je l'éloignais de mon cœur. Et maintenant, vous me connaissez, docteur. Comment pourrais-je aimer encore un assassin ? Il me fait horreur. Mais qu'importe. Il est le père de mon enfant. La constance est la seule excuse d'une faute comme la mienne. Je ferai mon devoir. Je partagerai son sort. Je veux la moitié du châtiment. C'est de la folie. Pensez à vos parents, à votre enfant. Écoutez le docteur, mademoiselle. Votre seul souci doit être de les soustraire à l'ignominie d'un procès. Vous avez raison. C'est ce qui importe, oui. Me soustraire à cette ignominie. Je vois clairement ce que doit être mon devoir. Écoutez, j'entends le pas du comte sous la voûte. Il faut, monsieur, que vous m'accordiez quelques minutes d'entretien. Cela seul. Lui et moi. 5 minutes, soit. Mais renoncez, mademoiselle, à tout espoir de faire évader le prévenu. La maison est cernée. Quant à nous, nous guetterons de la pièce voisine. Ne craignez rien. Ce n'est pas à cette évasion-là que je songe. Vite, il monte, cachez-vous. Laurence! Laurence, il n'y a pas une minute à perdre. On a dû retrouver notre trace. On m'a remis une lettre qui était à un faux. Je n'ai trouvé personne au rendez-vous qu'elle me fixait. Partons, prépare-toi, il n'est que temps. Il est trop tard. Mais trop tard, qu'est-ce qu'il y a ? On va vous arrêter pour l'assassinat de votre femme. Moi, avoir assassiné ? Ne mentez pas. Ah, je comprends. On a voulu m'éloigner pour me perdre à tes yeux. Pour essayer de nous séparer. Mais tu es restée, Laurence. Et moi, je suis revenue pour te chercher. J'aurais pu fuir sans toi, je n'ai pas voulu. Eh bien, oui, c'est vrai. J'ai désiré être libre, libre pour toi. Je t'aime tant. Est-ce aussi par amour pour moi que vous avez empoisonné Sauvigny, votre ami ? Vous êtes un monstre. Ah, vous ne niez plus. Une seule chose vous reste à faire. Je puis encore fuir, me cacher. Je partirai seule. Tu viendras me rejoindre. Je vous l'ai dit, il est trop tard. La police cerne la maison. Vous savez ce qui vous attend ? Le bagne ou l'échafaud. Je ne veux pas, je ne veux pas. Comme vous tremblez. Mais je peux me déguiser. Il a une sortie de service. Insensé, il y a un agent à côté. Mais que faire, que faire? Sauvez au moins le nom de Trémorel. Il y a 2 armes dans ce tiroir. Faut-il donc mourir? Mais toi, Laurence, que vas-tu devenir? J'ai juré de vous suivre partout. Comprenez. Ma bien-aimée, je refuse. Voici un pistolet. Prenez. Je garde l'autre pour moi. Mais je te jure que je n'ai pas empoisonné Sauvigny. C'est sa femme, je peux me défendre. Oh, tous ces mots pour retarder le geste qui vous fait peur. C'est vrai, j'ai peur. Entendez la porte grince, on va venir. Voulez-vous tomber vivant aux mains de la police? J'ai peur. Lâche, lâche. Décidez-vous ou c'est moi qui tirerai sur vous. Sur vous en premier. Je ne veux pas, je ne peux pas. Mon Dieu, absolvez-moi. Mais je... C'est fini. Le voilà étendu. Il ne bouge plus. Ah, ne gardez de lui que ce dernier souvenir. Je l'ai tué. Que sa lâcheté m'ait contrainte à cet acte. Quelle honte. Que j'en sois arrivée là. Vouloir m'éloigner de son cadavre pour ne pas risquer de tomber dans ses bras. Quelle horreur. Oh, mes parents, vous aussi,
Pardonnez-moi. Adieu. Lâchez cette arme. Laissez-moi. Lâchez cette arme, je vous dis. Je ne veux plus vivre à présent. Vous devez vivre. À ma faute, j'ai ajouté un crime. J'ai tué. Je devrais répondre de mon acte. Non. Hector de Trémorel s'est suicidé au moment d'être arrêté. Vous en témoignerez, n'est-ce pas, docteur? J'en témoignerai. Pourquoi vous acharnez à me sauver? Parce que vous n'êtes qu'une pauvre enfant, séduite par un misérable. Et puis, Laurence, votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient à l'enfant que vous portez. C'est pour lui aussi qu'il faut que je meure, si je ne veux pas mourir de honte quand il voudra savoir qui est son père. Il n'aura peut-être pas à vous poser cette question. Que voulez-vous dire? Qu'il y a des sentiments assez puissants, des cœurs assez grands pour qu'on puisse tout leur demander, tout attendre d'eux. Non. Il y a des sacrifices impossibles. C'est au docteur de vous répondre. Il se tait. Ce n'est pas qu'il hésite, croyez-moi. C'est qu'il n'ose pas. Laurence, ma petite fille bien-aimée, accepterez-vous que je donne mon nom à votre enfant? Jamais vous ne pourrez oublier. Je vous supplie d'essayer d'oublier ensemble. Y arriverons-nous? J'en suis certain. Foi de Lecoq. Allez, docteur, emmenez-la. Mes hommes sont prévenus, ils vous laisseront passer. À ses parents, vous savez ce que vous avez à dire. Grâce à vous, mon cher Lecoq. Oui, grâce à vous. Il y a en bas une voiture qui vous attend pour vous reconduire à Orcival. Vous avez même pensé à ça? Dans mon métier, il faut penser à tout. Comment pourrons-nous jamais vous dire merci? En m'écrivant, dans quelque temps, que vous êtes heureux, tous les deux. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime d'Orcival, pièce radiophonique de Claude Gével, d'après le roman d'Émile Gaborio, avec Henri Crémieux dans le rôle de Monsieur Lecoq, Louis Arbessier, le juge, et Geneviève Morel, Montcorbier, Yves Duchâteau, Jean Mauvais, Jean Topard, Henri Labussière, André Var, Laurence Weber, Martine Sarcet, Pascal Mazotti. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.